Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi, et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins, je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Tour-Mère. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Là-bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là, ne te montre pas. Mais bébé. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèb! Retourne à ta place! Thèb! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi.
Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah, ouf! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et des grandes si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà, parfait. Ça suffira. Suis-moi. Ici. Arrête de traîner. Aloy, par ici. Aloy, viens ici. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non. Mais ça peut les distraire, ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Lance une pierre vers moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Aloy, lance une pierre vers moi. Aloy, lance une pierre vers moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Aloy, lance une pierre vers moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Fouille le cadavre, que je t'apprête à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal, la pointe. Thank you.
Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. Sur son dos. C'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Et abat ta cible. Aloy, vise et abat ta cible. Détruis son œil. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite!